N'oubliez surtout pas que la vie est une tartine de merde que l'on croque tous les matins. Est-ce que vous trouvez ça normal de pisser dans son lavabo? Parce que moi, je connais plein de gens, dont des gens présents dans la salle, qui m'ont dit qu'ils le faisaient. Et moi, j'ai toujours trouvé ça très dégueulasse parce que j'y fais ma vaisselle et j'y bois de l'eau. Et du coup, je me demandais si vous avez déjà fait ça et pourquoi, parce que moi, j'arrive pas à comprendre. Me mémez-moi un thème de Mario. C'est triste. Et peut-être que c'est pratique parce que pour les gens qui sont grands et qui ont le sgeghito qui a tendance à partir dans tous les sens au premier jet, et ben c'est très facile de le faire à hauteur grâce à un lavabo. Ok, je le vois, il est en 285 tout au fond. Oh, oh le long shot, mesdames et messieurs! Non, Nico! À moi l'équipe, mon vieux con! Il est en train de les reste en plus, il ne boit pas. Si, regarde. Je vais attendre qu'il les reste tous. Vas-y, reste deux, regarde, reste deux. Regarde, j'attends devant qu'il les reste. Voilà. Merci. Ah gros, j'ai attendu une heure qu'il le reste. On va commencer à ce heal avant que ça me touche. Genre maintenant. Ah merde. Ah, je peux m'en servir pour. Aïe, je suis full life. Salut. Allez, swap baby, bien sûr! On finit la game sans même tirer une seule balle! J'ai réussi à m'en sortir sans pompe, bro. Je crois que c'est Tandax, hein. Coucou! J'ai fait le four! C'est bon, j'ai une car et une MC, j'ai plus besoin de toi, mon pote, ok? Il va mourir. Quand vous voulez, je tue des gens là, vous me dites. Juste un call à faire. Maintenant. Voilà. Bon, c'était grave stylé. Mais franchement, c'était grave stylé. Après, c'est deux jokers, donc c'est particulier forcément. Bref. Bref, voilà. Non, ouais, t'es c'est joli. Il y avait une meuf, elle était jolie. Hein. Pas toi. Parce que j'avoue qu'il y a une meuf, elle a checké gros à la journée. T'es qui a retourné dans le couloir. Quoi? Il y a un retour dans le couloir. Genre la vie de ta mère. Je pense en vrai, il peut avoir. Il sait pas. Genre la vie de... Bah écoute, va dehors si tu nous entends pas, tu vas voir. La grosse merde, je crois. Là mon gars? Ah, il nous entend dehors. Tu nous reçois, Brocky? Oh putain, les bâtards. Tu nous entends? Ouais, il nous entend, mec. Les vidéos, elles sont où, mon Zoulzoul? Alors, oui, salut. Oh, l'imitation de Xari. Autant j'ai reconnu la vanne du mec qui parle à deux à l'heure et qui dit bonjour 3 heures après, mais alors la voix, on n'y était pas du tout quoi. Ils sont pas ensemble, il y a une autre team. Putain, mais je suis tellement loin, mec. Moi je me suis fight avec un con. Attends, mais ils m'ont pas vu. Regarde, Mika, ils m'ont pas vu. C'est extérieur ou... Oui, c'est extérieur, c'est juste devant moi. Ils m'ont pas vu parce qu'en fait c'était ils pas dans. Ils t'ont oublié, ce fils. Non, parce que celui qui nous a tués, il était pas dans la même team. Ah ouais. Mais non. Pas plus gros. Ah. 70$. Qu'est-ce qu'il fait? Alors là, tu vas serrer les fesses très fort. Oh non! Tu as pété les oreilles, t'as dit quoi? Allez, creuser un renard! Putain, vous êtes les deux, vous êtes suspects de ouf, ça casse. Ouais, c'est horrible les deux. Zari, vous êtes tous méchants! Mais je suis le fidèle serviteur d'Arthur! Arthur, je te sauverai! Bon, Zari! Vu comment il bouge, je te parle pas de la date qui va venir. Ah, d'accord. Oh. Eh ben, merci, Coco! C'est bon. Non, voleur. Voilà. Voilà, je vais essayer de faire la voix de Gollum, je vais me vomir dessus. On n'est pas à l'abri de l'égalisation quand même, hein. Je mène que d'une petite longueur ici. Oh non, Jeannot! Fils de
pute. César, c'est sûr, j'ai regardé son petit sourire quand Zulu il a dit tu veux un coup de pompe, il a fait un petit. Juré c'est pas moi, bro, j'ai juré c'est pas moi. Genre vraiment c'est pas moi. Non mais t'es sérieux, bro, je te jure que c'est pas moi. Faites votre job. Dis-nous tout. Mais c'est Xari. Tu vois, c'est Xari. Non, non, c'est pas moi. C'est Xari. Zulu. Non, 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 c'est pas moi, mais c'est pas moi. J'ai tué les deux temps potentiels. Je suis sûr que c'est Xari. Mais c'est pas moi. Allez, c'est Harry Potter. Oh, putain, avec des amis. C'est Harry Potter qui m'a appris. Hein, je coupe pas de jeu. Allez, c'est Harry Potter qui m'a appris. Oh, oh, tu l'évites, Anna. Tu l'évites. Ouais. Ça y est, tu l'évites. Wingardium Leviosa. Vous avez jamais eu l'idée de vous dire, mais c'est quoi? Genre, tout le monde a goûté son sang. C'est des mythos. Tout le monde a goûté sa pisse par inadvertance. Vous n'êtes pas posé la question. Non, mais j'ai pas goûté. Je sais plus quand j'ai goûté ma pisse, mais je crois que j'ai dû le faire un jour. Est-ce que là, les gens, vous pouvez afficher, je pense, normalement. Est-ce que tu... Bonjour. Est-ce que tu peux... Bonjour. Attends. Il faut quand même parler comme ça, parce que si je parle comme ça... ça. Après, t'as peut-être le micro devant ta bouche, écarte-le un peu. Non, mais non, ça change rien, ça. Bonjour. Je suis... Ha, ha, ha. J'aime les bits. Attention. Ouais, je suis un. Vous êtes très bien qu'à l'otage. Si je sors pas maintenant, je vais juste faire un otage. Il a fait d'accord. Un mec qui s'est fait bifler. Je vais pas en parler. Ah, c'est pire un live perso de Zulu, ça c'est sûr. À l'époque, il s'est fait bifler. Et voilà quoi. Ouais, Zulu, ça m'étonnerait pas, gros. Wow. Alors, moi, c'était une blague, mais là, c'est vraiment une attaque personnelle là pour le coup. Je veux pas être dans cette histoire par contre. Ah, c'est quoi votre produit préféré au McDonald's et pourquoi? Alors, moi je vais revenir vite sur le sujet du. Non, oh, McDonald's. Ok, McDo. Les nuggets. Ouais, donc, pour les violeurs, sinon il y a une solution, c'est. Les nuggets, à quelle sauce? Voici un petit peu son palmarès, hein, si je puis dire. 110 millions de disques vendus. Son palmarès. 3240 concerts, 993 000 chansons interprétées. Waouh. Laisse dire la suite. Hein. 900, pardon. Je pense. Quoi? Je pense que vous pouvez. T'as dit 993 000 chansons interprétées. Non, j'ai dit ça? Oui. 1 million de chansons! Non, non, 980 ou pas. Bah pour moi, ça a toujours été comme ça à Paris. Que même on parle extra sportif, ça a toujours été le cas. Quand tu pars en vacances, on n'est pas trop aimé non plus. Donc il y a un tout, c'est pas que le sport, c'est en généralité les Parisiens. C'est mieux de l'avoir en journal, quoi, comme dans la pub. 20h, poker avec Zari, nous on va aller préparer ce petit FIFA. C'est la fin de ce récap et à demain. Évidemment, pour un nouveau récap, pas du tout, c'est samedi. Demain, n'oubliez pas, c'est le Téléthon. Allez, salut! Ferguson, à mon avis, il est trop vénère en fait. Face à Nemlet, je vais prendre chier ça. Vas-y. Voilà. Comme vas-y. Ça, tu verras. Vas-y. Mais ah, Vera, t'es récupéré, t'as changé, vous prenez Max, deux merdes. Max, d'un coup, il est devenu pro, tu sais. Ouais, 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 genre, genre, c'est l'expert de UFC maintenant. Ouais, bah, en fait, si tu veux ma petite gueule, ici, là, c'est 90% de muscles. C'est là, mon gars. Tout est là. Tout est là. Je suis seul à t'interpréter, hein. Non. Sérieusement là? Non! T'es d'accord, tiens. Mais qu'est-ce que je suis con? Je pensais pas qu'il a. Non, non, il va me tuer, il va me tuer! Oh, putain, oh j'esquive! Oh, j'esquive! Mais oh mec, il est horrible, il t'a pas mis de balle! Il gros, t'a pas mais pas c'est balle. Quoi ces animaux? Ils lui mettent pas. Là, par contre. Oh! J'esquive! Oh ouais! Oh voilà, oh voilà, ça c'est une grosse patate ça. Ah, c'est la seule moulinette. C'est le retour de la moulinette. Eh oui! Ouais, quel bâtard! Mais les jambes suffisent de le stick! Relève-toi, mais qu'est-ce qu'il fait de plus écarté? Il en peut plus, gros, ça doit faire trop mal, j'ai trop mal pour lui. Mais putain! J'en ai les Swiffer, mec! Tu sais, la retouche qui se retourne un peu et le mec, tu comptes sur toi, on peut forcément les bloquer, gros! Mais moi, je me souviens très bien quand CM1 ou CM2, je faisais croire aux autres gosses que je faisais partie des Power Rangers. Donc. Bah, il sait. Je sais pas, donc attention! Salut! Ah, salut! Oh, quel âge as-tu? Ben, 12 ans. Ben, là, je voulais justement parler. De l'humour de Jiraya. L'humour de Jiraya. Ouais. Vas-y, vas-y, mais enchaîne-le, enchaîne-le. Hein, dis-lui, mets-lui ce qu'il mérite. Hein. C'est chelou, quoi. C'est... Ouais, moi, bah, je voulais pas te le dire, mais Gigi, de toute façon, moi, j'ai toujours trouvé chelou. Ouais, voilà, on est tous d'accord. Mais c'est un petit bolos aussi, hein. Tu trouves pas qu'il devrait enlever son bonnet? C'est qui se marre derrière?
C'est mon père là, il est juste là pour l'émission.